Le 8 mars, à Téhéran, 50 000 femmes iraniennes dans les rues, et partout dans le monde, des milliers de femmes qui se réjouissaient de la naissance d'un mouvement de libération des femmes dans un pays islamique. Dès le premier jour, et pendant toute cette semaine de révolution des femmes, quatre d'entre nous étaient avec elles dans les rues. Manifestations, sit-in, discussions, réunions. Et nous étions nombreuses à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et d'autres villes à mettre toutes nos forces à faire connaître leur mouvement. Nous avons transmis jour après jour leur révolte, leur fête, leur violence, leur victoire. Nous, les femmes du mouvement de libération des femmes, pratique politique et psychanalyse, qui affirmons que quand des femmes iraniennes brisent leurs chaînes, ce sont les femmes du monde entier qui avancent avec elles. Le 8 mars n'est ni un jour de l'Est, ni un jour de l'Ouest, c'est un jour mondial. À l'aube de la Révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes, nous ne resterons pas enchaînées. Sans la libération des femmes, la Révolution n'a aucun sens. D'autres slogans, nous ne voulons pas de voile obligatoire. Les femmes luttent, et leurs luttes sont victorieuses. La police a tiré des coups de feu en l'air et essayé de les faire reculer. Les femmes ont crié, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur. Et ce jour-là, dans Téhéran, partout, des femmes discutent passionnément. Une femme qui ne porte pas le voile nous a dit, manifester dans les rues contre le voile, ça a été l'occasion d'une grande tendresse et d'une grande solidarité entre nous. Le voile, c'est une histoire d'hommes. C'est incroyable. Ce sont toujours les hommes qui défendent le voile. Nous, les femmes, nous avons eu des martyrs comme les hommes. Nous avons lutté avec le voile et sans voile pour notre liberté et pour celle du peuple. Et si Khomeini continue ainsi, moi qui suis une vraie musulmane, je quitterai ma religion. Qu'est-ce que c'est un chador pour une femme? Oui, ce que ça... Oui, comment ça les entrave? En fait, quel genre de vêtements c'est? Moi, je suis un chador pour une femme. Je suis un chador pour une femme. Il y a des années que je mets le chador. Le tchador m'empêche de bouger, de travailler, de tenir mon enfant par la main. Mais je ne suis pas venue à la manifestation pour ne plus mettre le tchador. J'ai 6 filles et je suis venue pour que mes filles ne soient pas obligées de mettre le tchador, pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchador. En passant devant l'hôpital, les femmes crient, saluent les infirmières, rejoignez-nous. Certains fanatiques religieux ont réagi très violemment aux manifestations des femmes, en les harcelant, en les injuriant et même en les frappant. Sima nous disait, oui, la semaine dernière j'étais en danger lorsque je descendais dans la rue parce qu'ils avaient demandé qu'on mette le tchador. J'avais mon foulard dans mon sac, j'en ai toujours un par sécurité. Des hommes dans chaque voiture qui passait disaient quelque chose. J'ai pensé que s'ils continuaient, j'agirais, je me défendrais. On a déjà fait des manifestations. Il y avait des soldats dans les rues, c'était le danger de mort. Maintenant on peut marcher devant quelques hommes, on n'a plus peur. اول که مسئله حجاب رو مطرح کردن ما همه زنا و اونایی که واقعا Quand notre révolution a commencé, toute la nation luttait pour le triomphe de la liberté contre la dictature et l'impérialisme américain. Tous ensemble, femmes et hommes, sortions dans les rues et crions ensemble pour tout ce qu'on a demandé et enfin on a pu l'obtenir. Et nous, dans notre école, nous faisions des études. Nous travaillions en même temps dans les hôpitaux. Quand il y avait des blessés, on les soignait sans demander d'argent. Après, ce jour où l'armée et la garnison s'est rendue et où la révolution a triomphé, nous étions dans les rues. Et puis l'ayatollah Khomeini a dit, ne faites plus de manifestations, n'allez plus dans les rues. Alors nous sommes retournés à l'école.
Mais depuis jeudi dernier, les religieux nous posent des problèmes. Il y a quelques jours que nous sortons dans les rues et nous disons que nous ne voulons pas de voile. S'ils voulaient faire comme ça avec nous, ils devaient nous le dire avant la révolution, ils devaient nous dire qu'il y a une inégalité entre l'homme et la femme. Nous, nous parlons pour notre droit. Nous parlons pour notre droit égalitaire avec les hommes. Et nous pensons, si nous ne parlons pas maintenant, quand la Constitution sera écrite, ils ne nous accorderont plus rien. Nous ne manifestons pas seulement pour le problème du voile, mais pour tout un ensemble de choses beaucoup plus importantes. Les femmes avocates ont été les premières à réagir et à faire des manifestations, et nous les avons suivies. Maintenant, elles sont en désaccord avec nous. Elles disent que ce problème est résolu. Mais nous, nous voulons poursuivre notre lutte. ما نمیتونیم با اون حجاب و با اون چیزهایی که اونا میگن بتونیم اونقدر که دلمون میخواد و میتونیم به مریضای خودمون کمک بکنیم. À Téhéran, nous avons parlé avec Kate Millett. J'ai été impressionnée par la ferveur et le courage des femmes. Je n'ai jamais vu des femmes qui s'organisent aussi rapidement et en un si grand nombre. Il y a 15 000 femmes dans ces manifestations. Aux États-Unis, ça prendrait des années pour se rassembler comme ça. Il faudrait de l'argent, il faudrait écrire aux gens, il faudrait de la publicité. Ici, quelqu'une brandit un panneau pendant la manifestation avec sit-in à la télévision, ou bien demain au ministère de la Justice. Et tout le monde y va. Parce que ces femmes non seulement ont été réprimées pendant très très longtemps, mais ce sont aussi des femmes qui ont fait la révolution. Elles ont été dans les rues, elles savaient qu'elles-mêmes pouvaient être tuées par le chat et ses troupes. Ce sont celles qui ont eu le courage de sortir face au char, le courage de se soulever. Et beaucoup de femmes m'ont dit que pour leurs droits, elles pourraient se faire tuer, ça ne fait rien, la lutte doit continuer. Je n'ai jamais entendu des féministes dire des choses pareilles. On peut lire sur ce panneau, nous refusons la tyrannie sous toutes ses formes, nous anéantirons la réaction sous toutes ses formes. Les lycéennes étaient tellement joyeuses de manifester, ça leur a tellement plu qu'elles ne veulent plus s'arrêter. Mojgan nous a dit, je veux vivre libre, je veux parler quand je veux faire tout ce que je veux, je n'accepte pas qu'on me donne des coups, je veux écrire tout ce que je veux écrire, jusqu'à maintenant je ne pouvais pas. Ma mère pense comme moi, elle veut la liberté, elle ne supporte pas de ne même pas pouvoir se promener dans la ville. Après le 8 mars, de plus belle, les femmes iraniennes ont continué leur lutte. Le samedi 9, il y a eu une réunion à l'université. Le dimanche 10, un sit-in au ministère de la Justice, où les femmes ont déposé des revendications. Dès le samedi, Roméni était revenue sur ses positions et avait déclaré que le port du voile n'était pas obligatoire. Pour les femmes iraniennes, ça a été la première victoire. Et le 12 mars, de nouveau, de l'université de Téhéran au square de la Liberté, 20 000 femmes étaient dans la rue. Elles nous ont dit, nous sommes réveillées. Cette manifestation ne concerne pas uniquement le problème du voile. Notre lutte, c'est aussi salaire égal à travail égal et le droit pour les femmes de travailler, la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de se rencontrer et de se rassembler. Avant, les femmes iraniennes n'avaient rien, ou plutôt 4000 prisonnières politiques. Les femmes se sont politisées depuis la lutte contre le chat. Les manifestations de femmes sont une prolongation de cette lutte. Nous continuerons jusqu'à la libération complète des femmes. Nous pensons que sans cette libération, aucune révolution réelle ne pourra exister. On voit sur ces images que pour refuser le face-à-face avec les fanatiques religieux, les femmes iraniennes leur tournent le dos, calmement. J'avais envie de te demander pourquoi vous êtes venue là faire un sit-in devant la télévision à Téhéran. Ah bien sûr, parce que vous savez, à la télé ou à la radio, il y a la censure, quoi. Oui. On n'a pas le droit de parler pour les femmes. Il y a seulement le gouvernement islamique qui doit parler, qui peut parler. Et nous, les femmes, on n'a pas le droit de parler. Mm. Hier, on a fait une manifestation. On avait à peu près 10 ou 15 000 femmes, mais ils n'ont rien dit à la télé. Seulement, il y avait des femmes qui travaillaient à la télé. Ils sont manifestés pour qu'ils veulent travailler, mais M. Rotadé, il ne permet pas.
Alors ils ont dit seulement qu'ils avaient des femmes qui sont manifestées devant la télévision et il y avait des femmes qui avaient des couteaux à la main. Et c'était ça, c'est tout. Et nous, on est 15 000 femmes, on n'a rien fait. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, c'est-à-dire on n'a rien fait. La manifestation, c'était rien. Les femmes ne doivent pas juger, les femmes doivent mettre le chador, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. On a fait des manifestations pour dire que le gouvernement libre n'a pas le droit de dire il faut ou il ne faut pas. C'est nous qui choisirons. Et c'est nous les femmes qui choisirons notre droit. Ce film document a été réalisé par des femmes iraniennes et des femmes en mouvement avec elles.